Bonjour à toutes et à tous, c'est Nio, et cette fois il s'agit d'un épisode assez particulier puisque je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Jim Lao. Salut Jim. Salut Nio, et bonjour aux lecteurs de jeuxvideo.com. Mon partenaire de live, donc Jim, avec qui a été créé le concept Drawing Game, qui donc était diffusé sur Twitch TV à l'époque, où l'on présentait un jeu de A à Z et où, pendant que toi tu jouais en direct, moi je dessinais. Exactement, et aujourd'hui je suis là pour présenter avec toi Papoeyo, un jeu indépendant développé par le studio Minority, sorti sur le PSN en 2012, puis sur Steam en 2013. Voilà, et donc dans le dessin, moi j'ai essayé de rassembler pas mal d'éléments du jeu, que ce soit au niveau de l'ambiance, du gameplay ou encore de l'histoire. Alors dans ce jeu d'aventure fantasy, on va suivre le rêve d'un jeune garçon nommé Kiko, accompagné de son jouet favori, voyageant au cœur des favelas, parsemé de graffitis que tu n'as pas oublié d'inclure dans ton dessin, où il fera la rencontre d'une mystérieuse jeune fille, puis d'une créature étrange et imposante. Voilà, et pour en revenir aux favelas, sur le dessin, je me devais au moins de représenter ce level design fait de cabanes empilées de façon très aléatoire, et qui semble souvent comme suspendu, en plus du fait que le gameplay justement apporte cette possibilité. Oui, car étant dans un rêve, le décor se permet quelques folies. On y retrouve peut-être même un petit clin d'œil à Inception, puisqu'à travers de phases de plateforme énigmes assez simples, on peut être amené à modifier le level design en faisant marcher et voler des maisons. Ouais. Ou en tordant le décor grâce à des indications, des clés et autres mécanismes lumineux. Ok, et enfin, dernier élément important du jeu, celui dont on n'a pas encore vraiment parlé, le monstre. Alors on le voit ici sur le dessin, une créature intrigante que l'on suivra pendant l'aventure et qui sera la clé de bien des phases de jeu. Il est surtout la clé d'une grande métaphore sur laquelle l'histoire du jeu repose. Voilà, et justement pour ce point, on va éviter de trop vous révéler l'intrigue du jeu. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, en tout cas, il s'agit ici d'un univers et d'un voyage très plaisant, une ambiance sonore et visuelle accompagnée d'une histoire plus profonde qu'elle n'y paraît. Et voilà, donc sur ce, Jim, je te remercie et je te dis peut-être à une prochaine fois. Avec plaisir. Et portez-vous bien et à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye. Bye.